Je suis le père Benoît Moradeuil, je suis curé de la paroisse d'Hyères depuis 2011. Quand je me promenais dans la rue et je voyais tous ces gens qui ne connaissaient pas Jésus, cela me brisait le cœur et je me disais si seulement ils pouvaient connaître Jésus. Après quelques années, je me rendais compte que la paroisse avait besoin de plus de joie, plus d'unité et plus d'esprit missionnaire. Et je savais que Alpha était l'outil idéal pour faire cela. J'avais aussi besoin de susciter de nouveaux leaders laïcs, et là encore, Alpha était l'outil idéal. Tout le monde, les parents qui préparent un enfant au baptême, les parents qui mettent leurs enfants au catéchisme, les couples qui se préparent au mariage, les amis des paroissiens, les paroissiens eux-mêmes, tout le monde est invité à Alpha. La vision de la paroisse, c'est un cœur brûlant pour des vies nouvelles. C'est-à-dire que tout commence par une rencontre personnelle avec Jésus. Tout commence dans le cœur. Alpha, c'est comme la première marche d'un voyage que l'on entreprend. Et il faut ensuite prendre soin des personnes qui sortent d'Alpha. C'est pourquoi nous avons lancé, il y a peu, des petits groupes, qu'on appelle aussi Connect Group, pour permettre à ceux qui sortent d'Alpha de se sentir vraiment accueillis dans la paroisse. Les petits groupes sont très importants pour le renouveau de toute la paroisse, pour grandir dans la foi et la vie fraternelle en particulier. Ils utilisent les mêmes éléments qu'Alpha. Ça se passe à la maison, tous les 15 jours. Il y a d'abord un temps convivial, repas, boissons, tous ensemble, puis un temps de louange, un temps d'enseignement par vidéo, puis un temps de partage pour approfondir sa foi. Enfin, un temps de prière fraternelle où les membres prient les uns pour les autres. Le plus gros changement, c'est que la culture d'Alpha s'est diffusée dans toute la paroisse, avec plus de joie, plus d'attention aux autres, une faim d'apprendre, une envie de s'impliquer, de partager sa foi, d'être missionnaire. Les paroissiens ont un cœur qui commence à vraiment brûler pour porter le Christ aux autres, partager ce en quoi il croit et devenir missionnaire. Et à présent, lorsque je me promène dans la rue, je dois avouer que je rencontre de plus en plus de gens qui autrefois n'allaient pas à l'église et maintenant ont rencontré le Christ.